changement. Nous sommes le fruit de l'amour de Christ qui peut t'aimer comme c'est Dieu. Un Dieu compatissant. Un Dieu qui a l'amour pour ses enfants. Est-ce qu'on peut témoigner notre appartenance à Christ? Pourquoi je l'aime? C'est parce qu'il m'a aimé le premier. Il nous a aimés avant même la fondation du monde. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là pour exprimer notre reconnaissance devant cet amour immense. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Et si la colère, je dépends que de toi.
Tu les merci pour sa fidélité. Tu les merci, Jésus, tu es fidèle. Non, c'est faux.
tes alumbutas. Parfois ça arrive dans ta marche que ta foi prenne un coup. Et tu as le droit de dire à Dieu, je me suis souvent trompé. Mais là, pour cette fois-ci, je te demande un signe. Et lorsque Pierre demande un signe, le Seigneur lui dit, tu viens. Tu peux faire comme moi, viens. Pierre se lève pendant que les autres sont en train de pleurer, de paniquer. On voit Pierre en train de mettre son pied dans l'eau. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Pierre avait quitté la sécurité pour l'insécurité. Nous, nous quittons l'insécurité pour la sécurité. Mais lui, Pierre a quitté la sécurité pour la sécurité. Et si je dois faire mal à ton cœur ce dimanche, je dirais que c'est parfois ça marcher avec Dieu. C'est parfois ça servir Dieu. C'est parfois ça répondre à l'appel de Dieu. Parfois on quitte la sécurité pour la sécurité. Donc, ici, comment tu sais pas demain tu vas te lever comment? J'en connais moi qui ont abandonné leurs emplois pour servir Dieu. Ils ont quitté la sécurité de ce monde pour vivre dans l'insécurité mais avec Dieu. Pierre avait pris cette décision et aller avec les seigneurs. Quel que soit le prix à payer, j'avance. Quel que soit le prix à payer, je continue. Pierre avance, avance. Un moment, il y a un rappel. Je me souviens, l'autre dimanche, j'avais dit au revoir pour mon père. Il y a cette voix. C'est souvent une grosse voix comme ça, lourde. Cette voix parlait à Pierre. Cette voix rappelait à Pierre. Pierre, tu es un homme, tu n'es pas un poisson. Ici, sur les eaux, c'est les poissons qui résistent. Un homme n'est pas appelé à résister sur les eaux. Cette voix rappelait à Pierre sa faiblesse. Cette voix rappelait à Pierre ses incompétences. Il n'était pas prêt, il n'était pas capable de marcher sur les eaux. Et à un moment dans la vie, un moment dans la marche avec Dieu, il y a toujours cette voix de Kopa Mobali qui te rappelle ce que tu n'es pas. Cette voix te rappelle que tu n'as pas de relation. Cette voix te rappelle que tu n'es qu'un pasteur. Cette voix te rappelle que tu n'es qu'un fils de pasteur. Cette voix te rappelle que tu ne peux pas accéder. Cette voix te rappelle tu n'es qu'un Congolais. Et un Congolais n'est pas appelé à atteindre ce niveau. Mais toujours un moment dans la marche avec Dieu où le diable cherche à te rappeler les informations qu'il a imposées à ton esprit. Mais c'est là aussi que Dieu vient te rappeler l'essentiel. Lorsque la voix rappelle à Pierre, et qui ne peut pas résister sur les autres, Jésus-Christ lui dit, homme de peu de foi, comme pour dire, oui, tu peux être un homme ordinaire, oui, tu peux être un homme faible, oui, tu peux sortir d'une famille maudite, oui, tu peux être dans un pays maudit, oui, tu peux être dans une génération maudite. Mais si tu as la foi, la foi peut te transformer. La foi peut te transformer en ce que tu n'es pas. La foi te transforme en ce que le monde a refusé du choix. La foi te transforme en ce que ta famille a
refusé que tu sois. La femme est transformée parce que ton pays refuse que tu deviennes. Ta foi te transforme parce que ta génération, dans ta génération, personne n'a pu devenir. Mais lorsque ça souffle la foi, crois. Abandonne des amis, mais n'abandonne pas la foi. Ton père te lâche, mais que la foi ne te quitte pas. Que les hommes te méprisent, mais que la foi ne te quitte pas. Ce qui te fera résister, ce n'est pas les nations, c'est la foi. Je dis encore, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend, Seigneur? Ce qui te fera résister, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas l'argent. C'est la foi. C'est avec moi, je crois encore. Je crois qu'un miracle est possible. Si je crois que dans ma famille quelque chose se passera, je crois dans ma famille quelque chose se passera. Si je crois qu'il y aura une ouverture, si je crois qu'il y aura un changement, je crois qu'il y aura un changement. Si je crois encore, je crois encore. Si je crois fermement, je crois fermement que mon Dieu est un Dieu de miracles, que mon Dieu est un Dieu de miracles, il fera quelque chose, et il fera quelque chose dans ma vie, dans ma vie. Lorsque Pierre croit, quelque chose se passe. Et donc, il se transforme en homme qui n'est pas ordinaire. Il devient spirituel. Et l'autre jour, je t'avais dit, et pourquoi tu t'es dit ça? Devient spirituel. Et j'avais précisé, j'avais dit ceci. Pendant que Pierre était en train de marcher sur les eaux, cette eau n'était pas spirituelle. Cette eau était physique. Et je suis sûr que dans le même zoo, quelque part, il y avait un bateau qui était en train de faire naufrage. Je suis sûr que quelque part, un homme était en train de s'enfoncer. Je suis sûr. Parce que cette eau était restée physique. Le Pierre était devenu spirituel. Le monde ne changera pas sa nature. Ça, c'est ce que tu vas retenir. Cette génération ne changera pas sa nature. C'est toi qui dois changer. Être spirituel au lieu d'être charnel. Le spirituel domine sur le physique. Pierre, qui était devenu spirituel, était en train de marcher sur les eaux physiques. Le spirituel dominera toujours sur le physique. Alors, tu as tout intérêt à être spirituel. Lorsque le vent souffle, j'ai envie de dire à quelqu'un, sois spirituel. Lorsque c'est dur, sois spirituel. Parce que tu ne comprends pas. Sur la terre, sois spirituel. Ne sois pas charnel. Parce que tu seras charnel, tu connaîtras des erreurs. Mais sois spirituel. Il y a plus de sécurité dans les spirituels que dans les charnels. Et parfois, nous parlons de la foi doucement.
Parfois, nous parlons de la foi. Tout est possible à celui qui croit. La foi te rend spirituel. La foi te change de dimension. Tu étais physique, mais lorsque tu crois, tu deviens spirituel. Et c'est comme ça que les choses changent. Sois spirituel. Et lorsque la chair te reclame, reste spirituel. Il y avait un combat. C'est le passage du livre de base aujourd'hui, deux rois. Vous savez, dans mon ministère, la chose la plus difficile, c'est de trouver un thème. Je souffre pour trouver un thème. Et Dieu m'a dit, Moïse, dis-leur de se transformer. Je suis même tenté de dire, Moïse, dis-leur de se laisser transformer. Et c'est le thème de ce matin, transforme-toi. Donne-moi chapitre 6. Écoute-moi bien. Et le roi dit, là c'est le roi de Syrie qui parle. Le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. 14, il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe, qui arrivèrent de nuit, et qui enveloppèrent la ville. C'était dans les buts des surprendre. Les serviteurs de l'homme de Dieu ne donnent pas son nom. C'est peut-être le monsieur qui avait remplacé Géasi. Ou encore le monsieur qui était venu avant Géasi. Les serviteurs de l'homme de Dieu se lèvent du bon matin et sortent. Voici une troupe entourait la ville avec le chevaux. Et les chars. Et les serviteurs disent à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée prie là. Tu vois ça? Écoute-moi, on marque une pause. Laissez-moi ce verset biblique-là affiché. Il se lève le matin. À la bouquine à Tombo. Lorsqu'il sort, peut-être pour bosser dedans. Ouf, il tombe sur des hommes. Et la Bible dit qu'ils étaient nombreux. Et puis les autres étaient dans la vie et belé, vous voyez ça, on l'a dit. Ils étaient là nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre les canaux. Non, il y a des hommes avec des armes ici. Des hommes avec des armes qui sont dans les canaux. Les habitants commencent à paniquer. Moussali a mali pour l'Inga. Il vient donner l'information à son chef. A époupé sa sangle comme au Kontinaï. Et le chef lui dit. Mais mon côté ici. Ne crains pas. Au Bangaté. Mais il continue à avoir peur. Il y a un autre la caca. Ne panique pas. Kotakabanate. Il continue à paniquer. A Kobika na Kotakabana. Reste calme. Tikala Kimia. Lui il pleure. Il y a un zone là. Jusqu'à ce que son chef change le système. A Kongoli le Linga Kosalela. Parce qu'il y a des choses que les exhortations ne peuvent pas changer. Quoi des armes quand nous sommes en l'aide ici et dit au bon pour la terre. Parfois les mots ne suffisent pas. C'est là que la Bible dit. Est-ce que tu vois ça au verset 17? Élisée a fait quoi? Il pria. Il pria et dit, Éternel, fais quoi? Vous entendez ça? Éternel, ouvre. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel ouvre les yeux? Éternel ouvre les yeux. Tu vois? Pour la vie. Est-ce que cet homme était aveugle?
Non. Il utilisait simplement ses yeux physiques. Et plus il utilisait ses yeux physiques, il voyait le nombre de personnes qui avaient. Dieu lui dit, non, c'est pas comme ça que tu vas comprendre. En disant ouvre ses yeux, c'était une manière de dire Seigneur, transforme-le. Qu'il arrête d'être charnel. Qu'il devienne comment? Qu'il arrête d'être ordinaire. Qu'il devienne spirituel. Élisée a commencé à prier. Jusqu'à ce que les yeux de cet homme étaient ouverts. Il commençait à voir ce qui était interdit à un homme physique de voir. Le calme n'est pas dans le physique. Le calme est dans le spirituel. Si spirituellement tu es stable, même dans le physique tu seras. Si dans les physiques, il y a des femmes qui paniquent. Je ne suis pas stable dans mon couple, je ne suis pas stable dans mon couple. Elle pleure tous les jours. Écoute, si dans le monde, si sur terre, si par des efforts, par ta beauté, par tes vertus, tu as cherché la stabilité et que tu n'as pas trouvé, change de dimension, quitte le physique pour le spirituel. La source de la stabilité est dans le spirituel. Dis avec moi, Seigneur, je veux être spirituel. Seigneur, je veux être spirituel. Dis plus fort, Seigneur, rends-moi spirituel. Seigneur, rends-moi spirituel. Ça, ce sont les choses que tu vas comprendre maintenant. Même quand moi, c'est que arrête de chercher ta stabilité dans ce qui est physique. Cherche-les d'abord dans le spirituel. Il y en a qui disaient, lorsque j'aurai un travail, ça va changer. Ils ont trouvé le travail et continuent à ne pas être stable. Il y en a qui disaient, lorsque je vais me marier, ça va changer. Ils se sont mariés et ils continuent à être instables. La solution de la stabilité est dans l'esprit. Transforme-toi. Transforme-toi. Deviens spirituel. Tu t'attendais à ce que je te dise quoi? Transforme-toi, deviens riche. Non, transforme-toi, deviens spirituel. Parce que lorsque tu deviens spirituel, même les portes qui étaient fermées peuvent encore s'ouvrir. Lorsqu'il prie, cet homme commence à voir. La Bible dit, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit une montagne. Et cette fois-ci, cette montagne n'était pas vide. Cette montagne était remplie de chars et de quoi de chevaux. Mais il y a un état. Écoute-moi. On va revenir en arrière pour mieux sauter. N'est-ce pas? On dit parfois il faut reculer pour. Et là, pour vous donner par la raison, qu'est-ce qu'il m'a sauté ma lampe? Alors écoute, Yoka. Lorsqu'il s'est levé le matin, la Bible dit de bon matin il s'est levé. Il doit vous dire la route. De bon matin, ça représente des débuts. Le bon matin veut dire les débuts d'une année, par exemple. Les débuts d'une saison. Les débuts d'un mariage, les débuts d'un travail, les débuts d'une promotion, c'est-à-dire une nouvelle vie.
Et lorsque cet homme se lève de bon matin, le déploiement de quelque chose était en train de démarrer dans sa vie. La première chose qu'il voit, c'est les adversaires. Et là, il va comment tu as commencé cette année? Le dernier matin, il faut la haute. Le bon matin. On va dire votre côté. Le bon matin aussi. On va dire que tu es sorti le bon matin et qu'est-ce que tu as vu? Il y a comment un combat, un vent, des insultes. Et tout va le bon matin. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Le bon matin symbolise le début d'une année, d'une saison, même d'un ministère. Comme moi, je me rappelle, j'ai démarré mon ministère dans le combat et dans le feu. Je connais ceux qui ont commencé dans les calmes, moi j'ai commencé dans le feu. Le diable ne m'avait pas laissé le temps de m'affermir. Il ne m'avait pas laissé le temps de comprendre les choses. Il a commencé à m'attaquer depuis le début. Et j'ai grandi dans le monde. Et c'est comme ça que mes serviteurs s'est levé aussi de bon matin. À ses débuts, il voit des chars et des chevaux des Syriens. J'aime ce que je veux te dire. Écoute-moi attentivement. La Bible dit qu'il voit les chars et les chevaux des Syriens. Il se décide alors de retourner chez son maître. Lorsque tu vois ce que tu ne voulais pas voir, retourne à ses pieds. Retourne auprès de ton maître. Et il saura te dire ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. La Bible dit qu'il retourne chez son maître. Rendez-moi sur le passage unique. Lorsqu'il retourne, le maître ouvre ses yeux. Lorsqu'on ouvre ses yeux, il sort pour la deuxième fois. La première fois, il était sorti en étant charmant. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux m'expliquer pas? Pourquoi si tu as échoué une première fois, ce qui la vie, qui te dit ta vie est un échec? Tu peux sortir la première fois. Tu peux essayer la première fois. Tu vois les signes. Mais ça ne veut pas dire que la deuxième fois, lorsque tu sortiras encore, tu verras aussi les signes. Ne prends pas des décisions à cause des conséquences de. Comment je peux appeler ça? Les conséquences d'une première expérience. J'aimerais que tu écrives ça. Ne prends pas des décisions dans la vie. Ou encore, ne prends toujours pas des décisions par rapport aux conséquences de ta première expérience. Je réponds encore, ne prends pas toujours des décisions par rapport aux conséquences de ta première expérience dans la vie. Ne prends pas les décisions sur base de la première expérience. Peut-être que la première fois, tu n'étais pas suffisamment équipé. Il y en a qui sont sortis de leur maison, de leur mariage. Des couples. Quand tu as pris des décisions, moi, je ne ferai plus. Je me rappelle encore de cette sœur qui m'a dit un jour, parce que moi, je ne marierai plus, je préfère chercher l'argent. Non, je parle, je suis en train de voir cette femme, elle est dans cette église.
Écoute-moi. Yoga. Ne prends pas des décisions sur base de la première expérience. Ça arrive souvent que la première expérience soit un échec. L'échec de la première expérience ne détermine pas ton futur. Ça, c'est une chose que tu dois comprendre. Oh, j'avais échoué dans le ministère. Relève-toi et c'est encore. J'ai envie de parler au serviteur d'Élysée. Lève-toi. Sors encore dehors. Ne te dis pas si je sors, je verrai ce que j'avais vu l'autre fois. Je verrai encore les signes. Non. La première fois, tu n'étais pas transformé. La première fois, tu n'étais pas spirituel. La première fois, tu n'avais pas la foi. La première fois, tu n'avais pas grandi. La première fois, tu étais immature. La première fois, tu n'avais pas compris. La première fois, tu étais dans le péché. La première fois, tu étais dans l'alcool. La première fois, tu n'avais pas encore saisi. La première fois, tu n'avais pas de maturité. Va voir encore. Ce que Dieu a réservé pour toi. Je vais confirmer que cette année sera une année de spectacle. Quand tu vas sortir dehors, Dieu va t'offrir des spectacles. Tu verras des choses qui vont faire plaisir à ton cœur. Des choses qui vont restaurer ton âme. Des choses qui vont te transformer. Des choses qui vont relever ta tête. Des choses qui te feront oublier les mauvais souvenirs. Ton Dieu est fidèle. Sors encore. Élisée prie. Elle lui dit sors encore. Et moi je prêche. Et je te dis sors encore. Je prêche et je te dis sors encore. C'est la meilleure chose que je peux t'offrir dans la vie. Une prédication, c'est la meilleure chose que je peux t'offrir dans la vie. L'idée est de voir qui te connaît encore plus dans la vie. Si je sais qu'après cette prédication, tu peux encore essayer. Tu peux encore te relever. Tu peux encore sortir. Tu peux encore sortir. Et lorsque cet homme sort, il voit le char et le chien. Quand mon moteur est mini, il y a un détail. Il y a un certain encore. Est-ce que tu te souviens lorsqu'il est sorti pour la première fois? Il avait vu quoi? Dis-moi. Il avait vu quoi quand il est sorti pour la première fois? Le char. Les chevaux. Ok, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'il a vu les chars et les chevaux pour la première fois? Et les chars et les chevaux qu'il avait vu. Vous êtes d'accord avec moi que c'était les chars de la cible? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces gens étaient venus pour le détruire? Il avait vu une destruction. Les chars de la Syrie. Mais je ne veux pas aller loin, je ne veux pas donner les détails de Syrie, Israël, non. Ce qui est plus important pour moi, c'est qu'il avait vu les chars et les chevaux. Ça, c'était la première fois. Les chars et les chevaux pour les détruire, pour sa propre destruction. Tu vois, j'aimerais m'adresser à celui qui a beaucoup de mauvais souvenirs. Tu as vu les chars et les chevaux pour ta destruction. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il sort la deuxième fois, cette fois-ci, il voit encore. C'est comme si c'était un lien de leur famille. Il sort pour la deuxième fois, il voit encore les chars et les chevaux. J'ose imaginer qu'il commençait déjà à paniquer. Lorsque Élisée lui dit, mon fils, regarde bien. Lui se disait, il y a une famille.
Ils se disaient, ça c'est le lien de famille. Comment chaque fois que je sors, le lien de quelqu'un ne sera pas humain. Je tombe sur la même chose. Il regarde bien. Elle disait dans la il y a un détail qui t'échappe. Et dans la finalement, je suis fatigué de voir les chars et les chevaux. J'ai envie dans ma vie quand je sors que je vois des cadeaux. Que je vois une maison. Mais il n'y a que des chars et des chevaux. Et je dis mais non, lève les yeux. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Et donc, comment peut-on avoir ça sur la tête? Regarde bien. Il y a non, ici il y a des méchants. Regarde bien. Elle dit c'est dans la malamou. Ici il y a des méchants. Regarde bien. Ici il y a des traîtres. Regarde bien. J'ai envie de me prêcher moi-même. Regarde bien. Moïse regarde bien. Moïse dans la malamou. Et lorsqu'il regarde, il y a un état. Il y a des chats, oui ce sont des chats, oui ce sont des chevaux. Mais il constate que cette fois-ci, ces chats et ces chevaux n'étaient pas venus pour sa destruction, mais pour sa défense. Laisse-moi parler ce dimanche. La plus belle chose que je peux t'offrir, moi, c'est une prédication. Je suis né pour te prêcher. Je vis pour te prêcher. Je respire pour te prêcher. Comme un calice pas de te prêcher. Je vis pour ça. Lorsqu'il voit, la chose la plus facile à moi dans ma vie à faire, c'est une prédication. Et le papa est la bombe et la bombe pour ça les adélités. C'est la chose la plus facile dans ma vie. Mais le papa est la bombe et la bombe. Je vis pour ça. La zombie qui a pour la yago. Lorsqu'il voit les chats, quand ma moni, finalement, il comprend que non. À son seul de tout. L'autre fois, c'était pour ma destruction. Il y a mal. Vous avez dit pour ma paix, il s'en gagne. Aujourd'hui, c'est pour mon relèvement. Car si il y a mal, il y a des pour la télé, ma vie. Aujourd'hui c'est pour ma restauration. L'autre fois c'était pour ma destruction. Aujourd'hui c'est pour ma bénédiction. L'autre fois c'était pour ma destruction. Aujourd'hui c'est pour ma stabilité. L'autre fois c'était pour ma destruction. Aujourd'hui c'est pour mon élévation. Il comprend que ces chars et ces chevaux, ce n'est pas pour ma destruction. C'est pour mon bien. Ils veulent rentrer à la maison. Élisée lui dit, oh, reste dehors. Reste dehors. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, reste dehors? Reste dehors. Dis-lui, tu n'as pas encore fini de voir, reste dehors. Tu n'as pas encore fini de voir. Dis-lui, tu n'as pas encore fini d'admirer, reste dehors. Dis-lui ça. Tu n'as pas encore fini d'admirer, reste dehors. Dis-lui de ma part, dis-lui de ma part, tu n'as pas encore fini de découvrir, reste dehors. Tu n'as pas encore fini de découvrir, reste dehors. Tu n'as pas encore fini de récupérer tes bénédictions, reste dehors. Tu vois, reste dehors. Tu n'as pas encore fini avec Dieu, reste dehors. Reste dehors, pas de repos, pas de repos. Reste dehors, dans le champ de bataille. Tu n'as pas encore fini d'arracher ta victoire. Reste dehors. Reste dehors. Pour cette situation à durer, reste dehors. N'entre pas. Reste dehors. Et lui, il demande pourquoi je reste dehors. Élisée lui dit regarde bien. Il y a un détail, grave détail. Et là, de l'eau, comment faire ça? Parce que j'ai vu ce détail bien fait dans mon livre, il y a un détail. Oh là là, la Bible, l'eau, comment faire ça? Je les filles, lis bien, il y a un détail. Quand la malade, l'eau, comment faire ça?
que tu vois, il y a un métal, il y a un métal. Au moins un mot. Est-ce que tu vois ou pas? Au moins une. Tu vois ou tu ne vois pas? Il y a un métal, est-ce que ça? Est-ce que vous voyez ça? Non? C'est quoi le métal? Ah, oh Bekel, oh, il y a un métal. Il y a un métal, il y a un métal. Est-ce que vous voyez ce que je vois, moi? Vous êtes bon, est-ce que vous voyez le métal? C'est quoi? Rappelle-moi. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu l'avais vu la première fois, la première sortie, tu l'avais vu. Les chars et le chien de chez vous. Là, il n'avait pas d'expérience. Là, il était fait. Là, il était païen. Là, il n'avait pas la foi. Là, il était maudit. Il avait encore la malédiction de la famille qui pesait sur lui. Il avait vu les chars et les chevaux. Lorsqu'il sort pour la deuxième fois, il est d'abord montré à Zambri. On l'a équipé à l'attesser. Après, il est sorti. Et on m'a béni. Je sens que je vais abîmer ma prédication. Il faut me les bénir. Dans un cas de l'idée, il y a un peu de temps. Je sens ma prédication qui s'abîme. Dans mon état de l'idée, non, je reste dans ma prédication. Je sens que ça va s'abîmer. Je reste. Moïse reste. Alors, finalement, il voit à Moni, déjà, ma cadre. Il veut rentrer. Elle est bien faute. On lui dit, regarde. Elle dit, c'est là. Il n'y a pas seulement des chats. Et Zaka Makal ou à la terre. Il n'y a pas seulement un secours. Et Zaka du Soubia Pampate. Regarde bien la nature de ces secours. T'as la madame ou le lien de Soubia Mou. Mais il y a des chats. Il y a autant de chats. Il n'arrête pas là, regarde. Elle dit, tout est là, à la terre. Il y a quelque chose de plus. Il y a un peu comme ça, il y a un peu. Dans les secours qui étaient envoyés. La carte du Soubia dans la matinée des livres. Tape ta patrouille, dit, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Dans le secours que Dieu t'a envoyé, regarde, il y a quelque chose de plus. Il y a du souvenir de la matinée, le gars, la madame, le gars, pour que les gens aient remarqué ça. Chez les adversaires, il n'y a pas ça. Et pas ma boule, le gars, les intègres. On a tous des chars et des chevaux. Justement, ce que l'on a encore, le gars, la boule. Mais ici, il y a un état. Il y a quelque chose de plus. Et le gars, pour que les gens. Quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Une chose qui a que sur ta vie. Une chose que tu as déposée que sur ton ministère. C'est pour ça que tu ne seras pas tranquille dans ta vie. Parce que quand on te regarde, nous tous on a des chars et des chevaux. Mais chez toi il y a un détail. Mais c'est pas là où on va se mettre en vie. Quelque chose de plus. Et là, comment on va pisser les amis? Nous tous sommes à des ministères, mais chez toi, il y a quelque chose de plus. Justement, ce n'est pas ma tombe, car ce n'est pas d'ailleurs. Et là, comment on va pour l'État, les amis? On est tous de cette famille. On a tous les mêmes noms. Mais chez toi, au-delà du nom, il y a quelque chose. Justement, ce n'est pas ma tombe, car ce n'est pas d'ailleurs. Voilà comment on va, car ce n'est pas d'ailleurs. Et là, comment on va les amis pour l'eau? Nous savons tous Dieu, mais. C'est quelque chose de plus. Qui fait la différence. Mais c'est quelque chose de plus. Et vous êtes venus nombreux. Pourquoi on t'a retenu seulement toi? Vous aviez commencé ensemble. Comment tu as fait pour te démarquer? Le débat de Sali, pourquoi on doit vous décider? Qu'est-ce que tu as fait? Au Salimini. On a tous prié à la montagne. Pense à ton Samuel à la bomba. D'ailleurs, toi, tu es resté 2 jours, nous, on est resté 7 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la saison de la deuxième sortie. Et ça, il y a beaucoup qui arrive à aller. Nous sommes dans la saison de la deuxième sortie. Ce que vous aviez vu n'était rien. C'est
C'est maintenant que vous allez voir. S'il vous plaît. C'est maintenant que ça va commencer. S'il vous plaît. La première sortie, on avait mis des chars simples. Des chevaux simples. Cette fois-ci, la deuxième sortie, lorsque tu sors pour la deuxième fois, finis avec les choses simples. Dis avec moi, finis avec les choses simples. Fais ça. Avec les choses simples. Est-ce que tu peux prophétiser avec moi ce dimanche? Est-ce que tu peux faire un geste et dire finis avec les choses simples? Finis avec les choses simples. Prophétise, dis encore finis avec les choses simples. Finis avec les choses simples. Dis, je mets mon pied. Je mets mon pied. Dans une saison. Dans une saison. Les choses enflammées. Les choses. Reçois cette
Ne prends jamais, jamais des décisions sur base de la première expérience. Souvent, la première expérience trompe. C'est peut-être pas un lien. Ce sont juste des circonstances. N'est-il pas vide de conclusion? Va encore regarder. Cette fois-ci, ça va marcher. Lorsque hier, Dieu m'a donné cette prédication, j'ai eu des larmes. Je disais à Dieu, pourquoi je prêche les larmes? Oh mon Dieu, je sens la présence d'un homme de Dieu ici. La gloire vous est maman, c'est mon grand ici, d'abord. Dieu vous disait, ça m'a bien ici, là. Va dans ton ministère prophétique. Moïse, dis-leur ce qui va arriver. C'est ce que j'essaie de faire. Que dire ce que tu vas vivre. Mais nous avons le comité. Est-ce qu'on doit revenir sur la lecture? Ils ont encore la paix dans je vais te donner un dernier détail, je vais déposer le micro, je sais que tu es fatigué de moi. Non, mais ça va, le détail, on va suivre la vitrine. Je vais déposer le micro bientôt. Quand la vitrine va mettre sa micro, il y a un détail. Quand c'est dans la détail, encore. Encore. Il vit la montagne, verset 17, plein de chevaux et de chars de feu, autour de qui? D'Élysée. J'ai vu ça. À mon qui est beau. Maintenant, au verset 18. Ok? On peut y aller? Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper comment? D'aveuglement. Cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole de qui? Mais Yahweh a dit pas qui m'a promis pour la maison de la Élisa. Tu vois? Maman dit. Regarde. Quand tu es spirituel, quand vous avez votre molino, tu verras le secours de Dieu. Au moment où ils sont mis dans la mer. Si tu veux noter, tu peux noter ça. Ce que les hommes ont pour moi, pour quand tu es spirituel, t'as besoin pour ton envolimo. Tu seras capable de voir le secours de l'Éternel. Au cours de la maquille, pour qu'on allait sonner dans un pays. Et j'avoue quand la Bible dit qu'il est le secours, qu'il est mort ou pas, non? Dans la lettre. Mais non, c'est maintenant que vous allez sonner, vous allez sonner, vous allez sonner, vous allez sonner, vous allez
j'entends la partie qui va me laisser voir. J'avais prévu de relever ta tête. Mais j'avais aussi prévu de faire mal à ton cœur. C'est le bémol de cette prédication. Regardez, voilà, quand tu es spirituel. 18. Les Syriens descendirent vers Élisée et adressa alors cette prière à l'Éternel et il frappait l'avènement de cette nation et l'Éternel frappa l'avènement selon la parole d'Élisée. On peut continuer, on peut enchaîner ou pas. Alors Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Ok? Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez et il le conduisit à Samarie. On peut continuer encore ou pas. Et il ne suit tout pas, c'est moi qui ai mal donné. Je peux lire ma Bible, c'est une outil aujourd'hui, c'est les high-tech. Ouais. Il ne faut pas faire très simple, on va revenir sur la Bible normale. Alors, on est à combien à 19, c'est ça ouais. On va enchaîner à 20. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, l'Éternel ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient, et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Tu vois? Ils sont venus ici, Christian, mon ami, viens. Et alors, continue, tu vas faire ça. Donc, si tu veux me frapper, viens, comme ça. C'est spectacle assez payant, hein, on va, vous allez payer. Frère, yo, attends-y pas, non, ça n'a qu'un. Bon, vers Dieu on vient tel qu'on est, bien sûr. Oh, ça va bien, bien. Finalement, les Syriens arrivent. Élisée leur dit, écoutez, l'homme que vous cherchez n'est pas ici. Élisée leur dit, bon, au cas où, suivez-moi. Il commence à suivre Élisée, bien, bien, papa. Par contre, vous avez aimé ça. Eh bien, je cherche la Samarie. Dans le cas de Samarie, est là. Je suis. Alors là, là. Élisée vient avec lui. Élisée est là. Le laisse ici. À Tiguan. Élisée rentre. À Tzoki. Et Élisée dit, Éternel ouvre ses yeux. Parce qu'on ouvre ses yeux. Quand on ouvre ses yeux, Thank you.
Je serai devant la porte à la fin du culte. Frère Tom. Alors finalement, lorsque ils se retrouvent en Samarie, ils voient qu'ils ne sont pas au bon endroit. Seigneur, aide-moi à dire tout ça dans 5 minutes. Je parle beaucoup. Quand ils se retrouvent là, c'est même pas le problème. J'ai une question que je me suis posée. Et j'aimerais qu'on se pose ces questions, Papa Chiba. Ils ont vu les chats. Et les chèvres. Et ces chats étaient les chars de feu autour de l'heure. Quand tu vois les chars dans un combat, et au-delà, ces chars sont enflammés. Tu te dis quoi quand tu es un vrai Guinois? Dans ton cœur, il y a un chant, tu entends déjà un chant dans ton cœur. Et quand tu vois les chats, il sait qu'il y a des lots pétards.
Tu vois? Moni. Mais tu vois les chars, Moni Makado, et rien ne se passe. Mais l'eau pas dans les salines. N'est-ce pas, ça nous arrive tous. Et comme la vie se nous sautait, ça nous arrive. Comme la vie, tu es dans un combat. On a raté tout bas. Et Dieu te promet. Ça va l'acquis au son secours. Il se dit d'ailleurs. Et tu attends ce secours d'une certaine manière, tu vois. Et pour ça, nous sommes en année. Tu dis, bientôt, mon troupeau t'en a milité. Mais après, tu attends. Quand tu dis qu'ils vont tomber, ils seront éliminés, tu le vois en train de rouler dans les voitures. C'est là que quelqu'un quitte l'église. Même on va louer plaisir. Comment Dieu est incapable de les venger de nos ennemis? Si moi, ton pasteur, je suis un menteur, je te dirais que ça n'est jamais arrivé. Mais parce que je suis un homme sincère, je te dis à plusieurs reprises, mais l'homme va pas libérer. Je priais. Assemblée-là. Je dis à ce que Dieu frappe. Je ne les vois pas. Il y a aussi des moments où j'évite de prier parce que je me dis, je risque de faire une mauvaise prière. Tu sais, des moments où ça mérite, mais au Seigneur, pendant la Zambie, mais dans mon thème, on va. Et ça arrive. Tu n'as pas prié, mais dans ton cœur, tu demandes avec cette chose-là, puis ça arrive. Tu vois, tu ne demandes pas, mais tu dis à Dieu, et ça arrive. Voilà, c'est facile. Tu vois, c'est là que, parfois, tu fais des prières. Mais on ne peut pas le savoir. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle est mort? Je ne suis pas allé à ses morts. Mais la présence là. Je suis venu dans ta présence. Mais c'est lui et l'homme encore. J'ai demandé une chose. Jamais en là. Mon Dieu. C'est une dame basse. Pas le basse. Qui s'est déjà posé cette question? Moi je le connais. Qui?
Qui est avec moi? Pourquoi Dieu ne frappe pas? Parfois il ne frappe pas, parfois il y a silence. Parfois tu l'as dit, parfois il ne tape pas. Et hier, pendant que j'étais en train d'écrire cette prédication vers 22h dans mon petit bureau à la maison, c'est là que j'entendais la voix de Dieu me parler comme un homme parle à côté ici. Il m'a dit, Moïse, parmi la carte, dans les camps de tes ennemis, dans les camps de tes ennemis, il y a aussi des hommes et des femmes que j'utiliserai un jour. Pour la carte, j'ai besoin d'eux aussi. Et je n'ai pas envie de les perdre. Comme je refuse de les perdre, et aussi, je ne vais pas le perdre. C'est pour ça que j'ai frappé. Que je frappe pas. Que la vie toi aussi, Yopé, ne frappe pas. Obéis-moi. Ne déchappaille pas. Ne sois la tête. Ne réponds pas. Oui, je m'en ai. Ne dis rien. Pour le côté. Dieu. Ce servira de certains un jour. J'ai envie de dire que Dieu te bénisse, qu'il te fasse réussir, qu'il t'emmène encore loin, qu'il fasse de toi une référence dans ces pays. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, dans tes affaires, sois béni, dans ta vie, sois béni, dans ta famille, sois béni. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dieu ouvre mes yeux que je vois éclair. Là il me dit la deuxième fois ses serviteurs a vu clair avec des détails. Tu vas prier pour tes yeux spirituels, pour ta manière de voir les choses. Dis à Dieu que je puisse comprendre les choses pas comme tout le monde. Dis à Dieu d'augmenter ta dimension spirituelle afin de bien capter sa volonté sur ta vie. Est-ce qu'on peut élever tous nos voix? Commence à parler à Dieu. Dépensez à Dieu, parle à Dieu, parle.
Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On peut s'en mettre. Gloire à Dieu. À présent, nous voulons recevoir ceux qui sont là pour leur première fois. Si tu as, tu nous as suivi à la télé, ou quelqu'un t'avait invité, nous avons le réel plaisir de vous recevoir. Tu vas juste te tenir debout et nous allons acclamer pour te recevoir. Wow. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu, nous sommes bénis par votre présence. Après les cultes, vous sortirez par la porte numéro 8. C'est exactement votre gauche. Vous verrez quelques sièges là. Vous allez vous mettre et notre service viendra parler avec vous. Et merci de vous mettre en attente, Seigneur. Pour vous, je veux expliquer. Je disais, pour vous, je veux expliquer ceci. Chaque dimanche, nous sommes dits de venir arracher à travers la radio et télévision Siloé notre bénédiction. Chaque dimanche, il y a des hommes et des femmes qui se sont dit de venir soutenir l'œuvre de Dieu avec leurs finances. Les montants n'est pas fixé. Comme le Père a toujours dit, donne avec sincérité. Ce matin, je suis tenté à te dire, donne au-delà de ce que tu as l'habitude de donner. Nous croyons fermement que cette période, Dieu nous a promis tant de bonnes choses. Et pour ça, nous sommes obligés de faire comme se faisait dans les piscines de Bethesda. À chaque fois que l'eau était agitée, la Bible dit les violents, ceux qui se jetaient en première position, ce sont eux-là qui recevaient leur bénédiction pour leur guérison de leur maladie. Ce matin, le Seigneur t'appelle à venir se jeter à travers tes finances. Je ne sais pas comment Dieu te bénit. Mais une chose, nous insistons aujourd'hui. Donc, par rapport à ce que Dieu met entre nos mains, ce qui explique, ce qui veut dire, si tu as la capacité de donner 100 000, ne donne pas 10 000. On nous place des familles partout. Partout où tu es, j'aimerais que tout le monde fasse ces gestes prophétiques. Sache bien que la manière dont tu te déplaces pour venir arracher cette bénédiction, ça sera la même manière que la bénédiction viendra vers toi. Alors, sans plus tarder, partout où vous êtes, ciblez le panier le plus proche de la rue. Avec joie, venons donner à Dieu. Dieu bénisse. Oh,
Yeah.
voulez faire à l'OIA les amis? Pas nos parents. Ça, c'est la vie. 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 Ça, c'est
on est impatient, on va